Oui, là on va encore recevoir. Au Racing, on était joué une équipe du top 3. Et là on va encore recevoir une équipe du top 3 avec des très bons joueurs, des joueurs internationaux, des anciens champions du monde. Donc on se prépare quand même à une dure bataille. C'est une très grosse équipe, La Rochelle, et il va être revanchard, je pense, par rapport au match de samedi, quoi. Après, il reste sur un très gros match à l'extérieur à Toulon, donc je pense qu'ils vont arriver avec les crocs. Ouais, les mecs, là, je les ai trouvés. Enfin, ils sortent de vacances, mais là, on a fait un très bon entraînement aujourd'hui, et je sens des mecs appliqués, concentrés et prêts à faire un gros match samedi. On rencontre des équipes aujourd'hui qui nous sont supérieures sur le papier. Et puis, je le répète à nouveau, mais notre meilleur élément, lui, il n'est pas blessé, mais il ne joue pas. Il n'est pas dans la tribune aujourd'hui. Donc ça, c'est un gros problème, parce que c'est une équipe qui est sur le podium aujourd'hui, du top 14, une équipe très très solide. Nous, on a parlé plus de ça que du match aller, parce que d'abord, le match aller pour nous, il n'était pas forcément significatif. Je répète, on s'était entraîné. Ça avait été une semaine très particulière, surtout parce qu'on était très peu aux entraînements. Il ne fallait pas se blesser de joueurs parce qu'on a fait une feuille de match, quand même, je rappelle, à 22 à La Rochelle. Donc voilà, on n'a pas parlé de celui-là. On a parlé plutôt de leur dernière prestation et de nos dernières prestations. Et puis voilà, et en essayant de très très bien se préparer pour ce gros gros rendez-vous samedi soir.